petite seconde. Quoi? Le grillage électrifié, comment on l'arrête? Les générateurs se trouvent dans un bâtiment, près des serres. Pourquoi? Ok. Je me disais, juste, il y a de quoi manger ici. Je pensais contacter Boozer et Ricky par radio pour leur dire, histoire que les gens de Lost Lake le sachent. Est-ce que tu peux charger la bécane toute seule? Ouais, bien sûr. Ok. Ouais, s'ils peuvent faire un deuxième camp, ce serait stylé. Ce serait pas long. D'accord. Boozer, chef de camp. Capitaine Crochet. Par contre, si on éteint les clôtures maintenant, il va falloir qu'ils se dépêchent de venir parce que... Il va y avoir des mutants qui se ramènent, des maraudeurs ou peu importe. Ouais, ça doit être ça. Et puis il faut qu'ils s'occupent des oiseaux aussi. Bon, il faut qu'on s'occupe des oiseaux, visiblement. Où est les nids du hurleur? Ça tombe bien, on a de la molotov, là. On a moyen d'en construire. Au moins, il y a deux nids. Voilà. Il est où le deuxième? Aïe. Il est où le deuxième, je disais. Et voilà le travail. Cramé, saleté. Yeah. J'ai plus grand chose en molotov, hein. C'est assez terrible ce qui est en train de se passer. Ouais, je me disais justement, il y a peut-être moyen d'avoir quelques ingrédients. Ah, il y a peut-être moyen d'utiliser les bidons aussi. On va rester à deux. Comme ça, si je peux trouver un molotov déjà fait. Reste plus qu'à forcer la porte. Je me trouve ça en mode oh non, mince, je peux pas le prendre sur moi. Bon, moi, les oiseaux, c'est bon. Ça neige. Boozer, c'est Deacon. Réponds. Allô? Lost Lake, quelqu'un m'entend? Dick, c'est toi? Oui, Boozer, c'est moi. Eh, ça fait plaisir de t'entendre, vieux frère. Ah, t'as beaucoup de choses à se raconter. Aussi. Écoute, j'ai pas beaucoup de temps. Le centre de recherche où Sarah bossait, celui près d'Iron Butte, et des Reapers, tu vois duquel je parle, ok? Bon, et écoute, il y a de la bouffe sur place. Tout plein de bouffe, du maïs. Transmets à Ricky et Iron Mike qu'ils envoient quelqu'un. Attends, tu l'as retrouvé? T'as retrouvé Sarah? Ouais, je l'ai retrouvé. Boozman, je l'ai retrouvé. C'est génial, Dick! Et quand est-ce que tu la ramènes à Lost Lake? Non, j'ai pas le temps de t'expliquer pour le moment. Ouais. Dis-lui. Attention, ok. Prudence. Quoi? Boozer. Boozer. Qu'est-ce qu'il nous fait, Boozer, là? Dis-lui, fais attention, prudence. Ah, merde. Ici Lost Lake, à vous. Ricky. Bon, super, écoute. Oui, c'est moi. Écoute, tiens... Je pensais pas avoir de tes nouvelles un jour. Mike a dit que tu reviendrais pas. Non, j'ai pas beaucoup de temps. Il y a un centre... Tu l'as trouvé? Laissez-moi parler. Ricky. Contente pour toi, Dick. T'avais raison, on a bien survécu. Alors pourquoi pas elle? Dick? Oui, ok, écoute, il y a une ferme, d'accord. Il y a du courant, une clôture électrifiée. Électrifié. Et si tu veux venir, Boozer peut te guider, c'est là où Sarah bossait avant, près d'Iron Butte. Il se souviendra de l'endroit, si tu viens, tu trouveras de la bouffe. J'aime pas du tout cette musique. T'as
votre accord. Comment il va? Oh, bien, bien. Tu devineras jamais qui Iron Mike a nommé chef de la sécurité. Non, sérieux? Waouh, c'est génial. Ah, Boozer, chef de la sécurité, excellent, ça. Bon, tu lui diras... en fait, oublie, je dois filer Ricky. Salut, Dick. Hé, tu sais quoi? Attends. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? D'allumer un cierge? T'avais pas tort. Je sais. Terminé. Bon, ça fait plaisir, les potes vont bien. Booza, chef de la sécurité. Par contre, cette musique me laisse présager qu'il se passe des choses bizarres. J'ai pas dit tout ça. Saint John, ici Coury. Où vous êtes? L'un de mes hommes a signalé que vous avez passé son checkpoint au col de Tilsen. C'est vrai. Oui, capitaine. Il y a un centre de recherche... Il y a toujours un point bleu, Sarah est là. Comme l'a dit Sarah, enfin le lieutenant Whittaker, il contient un équipement vital dont elle a besoin. Et on pouvait se le procurer que là-bas. Elle répond pas à la radio, le colonel veut savoir pourquoi vous n'êtes... Ah, désolé de vous avoir coupé la parole, capitaine. Alors, tu lui as parlé? À Boozer? Ouais. Ah, il était un peu chelou sur la fin. Ouais, je lui ai dit qu'on allait tous les deux bien et que je devais filer parce qu'il faut qu'on essaye de traverser le col avant que le temps se dégrade. T'en penses quoi? Je sais pas, ça se présente mal. Mais il faut quand même essayer, alors on se met en route, d'accord? Ah, est-ce bizarre, cette histoire de prudence? Parce que Boozer, il a pas vraiment de raison de penser que Sarah est différente ou quoi que ce soit, parce que lui, il l'a pas revue. Je sais pas pourquoi il est en mode « fais attention ». Ou alors, il disait ça par rapport au temps aussi. Mais... Je sais pas. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, cette histoire. J'étais en mode juste content que les mecs aient un endroit où chercher de la bouffe et je me suis dit qu'ils allaient peut-être même faire un camp là-dedans, ça aurait été bien. Fasse attention par contre aux produits chimiques, parce que bon, si c'est là-dedans que le... Enfin, dans ce laboratoire, qu'il y a le... La maladie qui a commencé, mieux éviter de péter un deuxième flacon, quoi. Mais je pensais qu'ils feraient du coup un deuxième camp, visiblement ça n'a pas l'air d'être le plan. Ah, on fait une petite pause dans la cahute. Bon, par contre, la moto dehors, ça fait un peu peur. Oh, peut-être que ça va être l'occasion de se rapprocher. Oh, le bras. Hey, tu viens manger un morceau? La musique très spéciale, hein. Ça mélange entre tout va bien et Tous mes vêtements sont trempés. Excuse-moi. Ah, les hormones vont refonctionner là. J'ai bien cru que je t'aurais jamais. Tu voulais manger un truc ou bien... Ouais. Ah, il avait dit, hein, manger un morceau. Le pire, c'est que j'aime... Vous voyez, il y a des sons bizarres dans la musique, là. C'est un mélange. T'as froid? Viens là, approche. Ah, c'est le moment. On dit oui. On dit oui. Si vous pouviez enlever les trucs bizarres de la musique. Ah. Ils en avaient besoin, hein. Faire du bien au nerf.
juste qu'on se fasse pas attaquer en même temps, mais ce serait quand même assez chaud. C'est bon. Ah, ça y est, là on a la musique chargée d'espoir. Y a pas de truc genre... dedans. Un petit peu d'intimité, quoi. Comment allons-nous nous tenir? Bon, maintenant, il faut éviter, par contre, qu'on brûle notre couverture, hein, comme d'habitude, mais... En tout cas, ça fait plaisir pour eux. Je veux dire, mince, quoi, ça fait combien de dizaines d'heures qu'on est en train de jouer, en espérant, à un moment donné, la retrouver, et maintenant que c'est fait, en espérant qu'ils puissent se remettre ensemble, quoi. Ils ont toujours été ensemble, mais vous voyez ce que je veux dire. Qu'on passe cette étape de la couverture et que on soit capable de se revoir l'espace d'un instant, les yeux dans les yeux, tel que l'on était auparavant. Et continue avec des sons comme ça, c'est chou. Les bidons d'essence, c'est le bien. Véhicule de pompier pour matériel de soins. C'est pas que les ambulances, hein. Véhicule de pompier aussi. Oula, la couverture, elle va... Oui, voilà. Il aura fallu 2 secondes pour que la couverture s'en aille, maintenant. Bon, après, c'est... Ah, s'il n'y avait pas cette histoire de bug, j'allais dire... La personne qui nous a vu est la personne à laquelle je peux avoir confiance, mais... Il y a ce problème de bug. Ça se rafraîchit, trophée obtenu. Oh, on est passé à 100% avec une vieille connaissance, ça y est. Ah, on a fini l'arc avec Ricky. Bombe télécommandée. Mais pas déjà ça? Quoi de neuf? Rien. Rien. Pas du tout. Ouais, j'avais déjà bombe télécommandée. Ah, ça devait être pour l'attracteur. C'est où bombe télécommandée par contre? Ah si, c'est dans les pièges. Bon, un, c'était bombe de proximité que j'avais. Et là maintenant j'ai bombe télécommandée. D'ailleurs, bombe de proximité, la vache, je peux en faire plein. Boîte de conserve, câble d'allumage. Voilà, bombe de proximité. Saint John, répondez. Voilà. Oui. Oui. C'est pas ce que vous croyez, capitaine. Vous rentriez immédiatement au QG. Voilà. Retrouvez-moi à l'infirmerie. D'accord. Infirmerie? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un incident. Ah. J'arrive tout de suite. Bon, c'est quoi Avec le docteur? Lieutenant Whittaker, vous êtes là? Sarah! Réponds, Sarah! Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Chier. Qu'est-ce qui se passe? Ah bon, on a juste eu un écran noir comme ça pour le fun. Très bien. Caporal Saint John. Dick. C'est le chaos maintenant. Prochaine. Oh, il y a un truc là-bas? Prendre des nouvelles. Rouler jusqu'à la tour radio. Écoutez, on va faire ça viteuf. Ça va coûter un petit peu en essence, mais c'est un rapport avec Boozer. Alors, par contre, bizarre, hein, ce qui vient de se passer là. Kuri qui dit oui, voilà, il y a eu un incident à l'infirmerie. Tu te dis bon, soit il va nous parler de ce qui vient de se passer, soit il y a un problème avec le docteur. Il se passe un truc, mais bon, c'est la suite de l'histoire. Mais en même temps, ensuite, derrière, Deacon qui est en mode « Oui, j'appelle Sarah, on sait pas trop pourquoi », il bloate complètement la couverture en mode « Ah, Sarah !» Et derrière, ça répond pas. Ma moto qui glisse... Oh non, une buglarde. D'ailleurs, tout va bien, quoi. Attendez, moi je voulais... Caporal Saint John, vous me recevez? Oui. Venez me rejoindre au poste de commandement dès que vous pourrez. Oui. Bien sûr, colonel. Saint John, terminé. Faut que j'aille là-haut. Saint John, à vous. J'ai une décidément. Pour vous. Ça s'arrête plus.
Bien sûr, capitaine. Terminé. Ça n'a plus de fin ? Ici Radio Libre. La vérité vous libérera. Ah, quand on sait plus trop quoi faire, on a un petit Radio Libre Oregon. Bon, hein. Boozer, c'est Deacon. Réponds. Quand Lost Lake, y a quelqu'un? Oh, un hélico. Vic, Vic, c'est toi? Je t'entends à peine. La réception est pourrie. Où t'es fourré, hein? Je suis au sud de Crater Lake, figure-toi, et je... Je suis content de te rentendre, mon pote. Je me disais que t'étais peut-être en train de rentrer. Non, Boozer, pas encore. C'est compliqué. Je voulais juste... prendre des nouvelles, savoir si tout allait bien. Ouais, ça va, Dick. Ça va très bien, même. Monsieur le chef de la sécurité. Il n'y a jamais qui a été promu chef de la sécurité. Quoi, toi? Ouais. Mike a sûrement dû dire qu'avec un seul bras, je foutrais moitié moins la merde. Ouais, bon, comme je t'ai dit, je voulais juste avoir des nouvelles. Ouais, ça m'a fait plaisir de t'entendre, mon vieux. Ouais, pareil. Le dialogue qui se coupe pour la mission, là. Vous voyez de quoi je parle ? Cette ONG qui voulait, je cite, « promouvoir la coopération entre l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale et le Japon ». Ah, ça, elle a promu quelque chose. C'est ce bordel. Vous savez que c'est ces types-là qui ont choisi quels endroits seraient touchés en premier. Mais quelqu'un a trahi l'Amérique. Et n'allez pas croire que j'oublie les Nations Unies. Pendant des années, ils ont laissé des pays terroristes s'asseoir à la table des négociations. Ces échelles. L'ONU continue à tourner sans nous quelque part, et l'un de nos anciens amis a son cul dans notre siège au Conseil de sécurité. Pensez-y, le Nero est clairement impliqué, mais il a dû lui falloir beaucoup d'aide pour déclencher cette guerre. C'était Mark Copland pour Radio Libre Oregon. Ne gobez pas les mensonges. Ouais, ouais. Donc il y a un job ici, un job là, et la mission ici. Ça me coûte combien d'aller là? Pas trop cher. Pas trop cher, c'est plutôt cool. Ça, on refait le plan. On n'a pas utilisé de munitions là, donc c'est cool. Ah, Boozer, chef de la sécurité. Incroyable Boozer. On espère que Jake va bien aussi, hein. Petit chiot. C'est l'un des nôtres. C'est vrai. Oh, les frames, par contre. Ça fait mal, hein. Je te fais le plein. Pas de problème. Oh, Caporal Saint John. Alors, où est Curry? Il est là. Terry Curry. Caporal, Deacon, merci d'avoir répondu à l'appel aussi rapidement. Oh, bon, plaisir avant tout. Au vent, capitaine. En effet, nous avons une nouvelle prise d'otage. Un otage, merde. C'est comme si tous les squatteurs à 10 km à la ronde en avaient après nous. Enfin... après la milice, quoi. C'est l'impression que ça donne, oui. J'ai marqué sa dernière position connue sur votre carte. C'est un gamin, Saint John. De seconde classe, Ross. Pas Ross, non. Je l'ai envoyé pister un groupe de maraudeurs, il a dû se laisser déborder. De seconde classe, Ross. Je le connais pas, mais je le tirerai de là, capitaine. Bonne chance, Saint John. Terminé. Oh bah, merci. Un plaisir avant tout.